Hello les aficionados, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette à partager de crumble pommes et spéculoos réalisée avec le moule à tarte de la gamme Regénération. Allez c'est parti, direction les courses chez Netto pour se procurer nos ingrédients et notre moule. Grâce à cette opération, avec 35 vignettes collectées et 2 €, j'ai choisi le moule à tarte qui a été réalisé avec 12 canettes. Allez, tout est prêt alors, c'est parti pour la recette. Lavez, épluchez et pépinez les pommes, puis coupez-les en morceaux, ajoutez le sucre vanillé et la cannelle, puis mélangez le tout. Dans votre moule à tarte Regénération, déposez les pommes à la cannelle, puis ajoutez le beurre mou coupé en morceaux par-dessus avant d'enfourner pour 10 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, préparez le crumble en mélangeant la farine, le sucre, le beurre mou coupé en morceaux et les spéculoos émiettés grossièrement jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse. À la sortie du four, déposez le crumble aux spéculoos sur les pommes, puis enfournez de nouveau 25 à 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, c'est prêt. À déguster tiède ou froid, c'est le régal assuré.